Les amis, nous sommes devant Notre-Dame en compagnie de Edward Kenway et de Ezio, moi-même. C'est juste des costumes, hein, c'est pas les vrais personnages, voilà. Nous allons refaire un épisode d'Assassin's Creed Unity, puisque vous avez été nombreux à demander un nouvel épisode. Donc je suis toujours en compagnie de Razmoket qui incarnera Edward. C'est parti, on va s'attaquer une mission. Laquelle on va faire, mon petit Razmoket? Alors lui, il veut les missions 5 étoiles, il m'a dit. 5 étoiles, 5 de difficulté. Donc celle-ci, on l'a fait la dernière fois. Raid contre les Jacobins, c'est une 4 étoiles. Et si on commençait pas plutôt par n'importe quoi? L'hôpital de la Salpêtrière. Au bonheur des... Mais je crois qu'il y en a plus, hein, des 5 étoiles, hein, je te le dis. Il y en a plein. Ma gueule ou quoi? Bon, écoutez les amis, hein, on va en chercher une et voilà, vous verrez laquelle on lance. Voici la Madeleine, l'une des églises les plus célèbres de Paris. À cette époque, elle est encore en chantier, ce qui explique qu'elle soit fermée, mais elle est le théâtre d'étranges années à venir. Les Templiers ont découvert un site de la première civilisation sous l'église. Des artefacts sont cachés dans ces bâtisses. Vous devez les retrouver. Plus d'assassins, plus de butins. Ce serait trop beau. Un seul de ces coffres est authentique. Lequel? Trouvez-le. Donc voilà les amis, c'est exactement comme la mission de la première vidéo. On a 4 coffres et on doit en trouver un bon parmi les 4. Donc là on attend Razmoket parce qu'il est parti chercher un bout de fromage. Je sais pas s'il est revenu. Enfin on va pas l'attendre. Je m'en bats les couilles. Le mec, on est en pleine vidéo, il va chercher un bout de fromage quand même. Alors, hein, il s'est vraiment intégré dans le truc de la France, quoi. Le gars. Ah bah tiens, le voilà, le voilà. Quoi? Qui m'a vu? Ah bah d'accord, je suis grillé dès le début. Super. Ça va, monsieur bout de fromage, là? Vas-y, ta gueule, j'ai faim. Ah là là, ce français, là. Ah lui, on lui a dit on joue à Unity, mon frère. Putain, mais je me fais griller par toute la... Toute la smala, là. Oui, il y a une entrée dans cet immeuble, mais c'est pas le bon. Oula. Mais toi, tu vas pas m'emmerder, toi, je te le dis, attends. Sérieux, c'est quoi ce délire? Oh, on recommence. Non, on va continuer, on va continuer. Je vais essayer de l'avoir, attention. C'est bon. J'ai limité la casse. Ou pas. Bon. Razmoket, tu vas de ton côté, hein. Parce que là, moi je traîne pas avec un mec qui bouffe du fromage. En pleine vidéo là. C'est quoi comme fromage en plus? Du maroilles. Du maroilles, bah oui, bah bien sûr. Je le trempe dans le café. Tu quoi? Tu le trempes dans le café? Mais non. C'est un grand malade celui-là. S'il vous plaît les amis, sauvez-moi de ce fou là. Il trempe du fromage dans du café. Mais c'était une blague. Ah ok. Bon, on sait jamais, hein. Avec toi, ça m'étonnerait pas. Oui, je serais capable de l'essayer. Ah là là, il me tue celui-là. Bon, je suis en dessous de d'un des premiers coffres. Donc, voili voilou. On va essayer de pas se faire griller. Il n'y a pas une petite entrée. Eh, mais il y a trop de gardes, hein. Po, 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 il y en a partout. Oh là là, bah alors là, c'est un carnage ici. Et en plus, ils sont juste... Ah ouais, les gars, vous saoulez. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rendre fou un mec. Avec la lame furie. Et j'espère qu'ils vont aller vers lui. Mais lui, il est trop loin. Mais je vais rendre lui, là. Ah non, mais même lui, il est trop loin. Ah, c'est bon. Lui, je peux l'avoir. C'est bon. Qui m'a vu? Lui, il m'a vu. Ah, oh, j'en ai rien à foutre. Vous me saoulez tous. Voilà. On va voler le coffre. Bim. Devenez anonyme pour interagir. Ah, super. Bonjour, monsieur. Il est chaud. Hop là. Ils sont chauds, les gars. Hop. Hop là. C'est bon, normalement, je suis anonyme. Je suis pas anonyme. D'accord.
Ça se ramène. Oula. Oula. Ils sont chauds les combats dans ce jeu. Oui, ils sont tous. Oula. Oula. Je suis toujours pas anonyme. C'est pas fini. Pour moi, je suis anonyme là. Ah, je suis dans une merde, vas-y. Salut. Je me barre à un autre coffre. Toujours le choix d'aller à un autre coffre. Tac, voilà. On y reviendra plus tard à celui-là. Là, ils sont tous en train de se taper, donc autant profiter de la cohue pour s'occuper de ces coffres-là. Reste où tu es. Qui m'a vu? Bonjour monsieur. Et voilà. Même là où je veux rentrer, là, il y a v'là les gens. Elle est vraiment compliquée ta mission. En plus, on a perdu le bonus de récompense, mais bon, c'est pas très grave ça à la limite. C'est que là, vraiment, tu nous as mis dans une sacrée merde, mon petit Razmoquette. Je te jure, là, il y a trop d'ennemis. Moi, j'aime bien être discret, mais. Il y a des fois, on peut pas, hein. Mais si, c'est plus. Là, j'ai l'impression que je peux y aller, là, je peux y aller. Vas-y, 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 vas-y. Alors, faites que ce soit ça. Faites que ce soit ça. Si c'est ça, c'est trop bon. C'est-à-dire qu'on a fini la mission. Ah, c'est un faux. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Et toi aussi, t'as ouvert ton coffre. Ah bah ouais. Quel dommage. En fait, je crois que c'est ça. Hein. En fait, je crois que tu peux pas l'avoir du premier coup, le bon coffre. Et si, j'ai déjà eu du premier coup. Ah, mais là, attends, sur deux missions du même genre, on a même pas eu ça du premier coup. Quoi. En même temps, on fait tout le temps les plus faciles. Je le reconnais. On fait ceux qui sont en extérieur. Et donc là, comment on y rentre là-dedans là? Mais même là, il y a des mecs. Je crois que c'est pas une bonne idée de le tuer. Mais ça me démangeait. Alors comment on fait pour rentrer là? Hop là! Va bien y avoir une petite entrée. Hein. Soit par en dessous, soit par au-dessus. Soit par les petits toits là-haut, là, les petits balcons. Ah bah tiens, comme on se retrouve, mon petit Razmoquette. Tu prends celui de... Ah, t'es où? Ah, tu prends celui de droite, je prends celui de gauche. Ouais. Ah mais attends, y en a un autre. Ok. J'avais pas vu lui celui-là. Oh bah j'avais pas vu. De toute façon on a plus le bonus donc autant y aller hein. Oh merde. Quoi, y'a encore un mec? What? Mais dis pas que ceux du toit ils nous voient là. Non t'inquiète. C'est bon. Eh ben, c'est une catastrophe. Mais au moins y'a un peu plus d'action que dans la première vidéo les amis. Donc ça change un petit peu le rythme. Bref, au moins on a réussi à trouver une entrée. Mine de rien. Malgré tout ce merdier. D'ailleurs, il est encore à l'étage. Putain, si c'est pas celui-là, c'est vraiment de la couillon. Alors là, il y a combien de mecs? 4 mecs. Il y a moyen de faire un truc propre. Je vais vous dire comment. T'es chaud, Razmoquette, ou pas? J'ai rien, là. Attends, il y en a qui... Il faut que tu cours vers les deux qui sont collés, là, non? Ils sont collés toujours ou pas? Non, ils sont plus collés, merde. Mais merde. Qui t'a vu? Personne. C'est toi qui as été vu. Hop là. C'est pas grave. Pourtant, c'est de s'en sortir. Alors, dis-moi tout. Est-ce que c'est le bon coffre? Non. Mystère. Mystère. Oui. C'est bon. Et ben voilà. C'est ça qu'on voulait avec Razmoquette, nous. Le bon coffre direct. Ça nous aurait évité ce carnage. Ils peuvent pas descendre les escaliers comme tout le monde, là, au lieu de sauter comme des oeuvres. Allez, on se barre. Hop. Eh ben... Je suis pas fier de cette mission, Razmoquette. Hein. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais...
C'était dégueulasse. C'est ta faute, c'est toi qui veux l'émission de malade là. Voilà, 25 000 francs quand même, on prend toujours. Ça fait plaisir. Plus 30. Plus 30 ? J'ai pas fait gaffe ça. Bon, eh bien les amis, je vous propose qu'on se fasse encore une mission. On va en faire deux par vidéo. Donc on va essayer d'en prendre une meilleure hein, quand même. Et c'est moi qui vais la choisir celle-là. C'est sûrement pas toi, mon petit Razmoquette. Là, on fait honte à Ezio et Edward. Ils sont des assassins reconnus hein, et qui ne se font pas griller aussi facilement. C'est la marque des femmes. Ta gueule. Allez, à tout de suite. Octobre 1789. Porte sud de Paris. On a une date là. Ouais. Les femmes du peuple sont sur le point de changer le cours de la révolution. Eh bien là, chérie. Tiens. Ça, c'est toi, Sarah. T'inquiète. Salaud. Pas du tout, non. Jamais je n'oserais faire ça une meuf, putain. Ah bah ça c'est sûr. Déjà que le mec va même pas parler à sa voisine. Je leur tape même pas la bise, mais je leur sors la main déjà. Trouve-toi un bordel et va te faire. Pendant que Méricourt se battait pour nourrir Paris, Marie-Antoinette et la famille royale festoyaient. Ben. Merci mon cher. Allons dire à la famille royale que nos enfants aussi doivent manger. Protégez la marche des femmes. On va vous aider, mesdemoiselles. On est de votre côté, nous, les assassins. Ezio Auditore et Edward Kenway. On est de la même époque que vous. Protégez Méricourt et son Amazon. Alors. Les gens puissants sont bien décidés. Alors. Elles sont où, ces connes? Putain, ah, ils sont là, c'est bon. Ah, on doit juste les protéger. Ok, je pense pas qu'on ait choisi une bonne mission, mais... Putain, regardez-moi ça, les amis, comment c'est blindé de monde. Franchement, ce jeu... Il est pas super en termes de scénario, mais moi, je le trouve graphiquement mieux que Origins, limite. Et techniquement mieux. Oui, bah sur la One, hein. Sur PC. Ah, peut-être sur PC, il est dégueulasse, mais franchement... Franchement, non. Regardez-moi ça. Il y a combien là de PNJ là? Ouais, il y en a au moins 10 000. Je sais pas, il y en a combien, mais c'est trop. Eh oh, t'approches pas trop, hein. Quoi, je protège. Sale pervers. Petite coquine. Je sens que cette mission va être pourrie, hein, quand même. Encore une fois, je vous le dis, les amis, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vais encore écouter ce con de Razmoquette. Et bizarrement, tu vois, je le sentais, je le sentais. Tiens, il y en a qui vont leur casser les couilles. Là. Prépare-toi, prépare-toi, Razmoquette. Moi, pour le moment, attends, elles se font pas agresser, hein. On laisse. Hein. Si elles se font pas agresser, on touche pas. Hein. Mais je crois que c'est des mecs sur les toits qui vont les attaquer. Ah ouais, il y a des mecs sur les toits au moins. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qu'à fond là? Mais putain, moi. Ça se passait très bien et vous êtes. Putain de merde! Allez hop! 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 Un peu d'action, ça fera pas de mal. Voilà! Putain, ta gueule, je te tranche la gorge! Voilà. Moi, chez Méricourt, elle a déjà perdu de la vie. Hein. Je sais pas, c'est qui entre les deux? Méricourt. Bon. Moi je vous laisse mesdames, je monte sur les toits. Parce que je crois que c'est à cause de Razmoquette qu'on s'est fait. Non. On s'est fait griller. Je sais pas, elles étaient bien tranquilles et d'un coup c'est parti en couille cette histoire. Ça c'est Edward Kenway, il aime bien chercher les problèmes. Tac, 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 tac. Attention ici, méfiez-vous des tireurs sur les toits. Tireur sur les toits, tireur sur les toits. Ouh, ouh. Ah ouais, excuse-moi, excuse-moi. Hop là. Oh, de justesse. Oh, il a failli m'avoir. Ce que je vais faire, c'est ça. Vas-y. Wouhou. Connard. Il y en a un autre qui m'a vu, genre. Eh, les gars, ils sont partout, hein, quand même. Commencez à me saouler. À me saouler. Tac, 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 tac.
Je suis là au fait, un connard, voilà. Ah genre, ça l'a pas assassiné. Ah, mange mon épée là. C'est quoi ces vieux mecs, mon frère? N'importe quoi. Il va falloir éliminer les capitaines qui gardent la porte. Voilà. Ah, tu vois, c'est plutôt bien passé en finale. Mais c'est que le début de la mission. Donc, on a des capitaines qu'on doit tuer. Niveau travail, est-ce que je peux rentrer là-dedans? Ah, niveau 3, putain. J'aime pas crocheter. Ah, mais genre, je peux pas grimper par là? Non, on y croit. C'est bon, premier, c'est fait. Deuxième, c'est fait. Troisième, c'est bon. Parce que c'est chaud quand même. On va scanner la zone. On a deux ennemis en face. Le capitaine ici. J'ai plus de l'âme. De l'âme discrète. Par contre, j'ai une arme à feu. Ouais, mais c'est pas. Ah, j'ai plus rien en fait. Ah, si, l'âme fantôme, j'ai. Bah, c'est bon alors. Attends, bouge pas, toi, mon petit. Oh. Et ton pote. Ton pote, il a rien vu. C'est dommage. Et voilà! Plus qu'un capitaine à éliminer. Plus qu'un capitaine. Il est en bas en plus ou en haut? On dirait qu'il est entre les deux. Je pense que tu vas l'avoir, mais bon. Panam, panam, on arrive! Panam, panam, on arrive! Et voilà! Putain, mais descend! Ah, ça m'énerve ce putain de. Ah, je crois qu'il est en bas en fait. Ah bah oui, il est là. Tac 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 tac. Ah, bien joué, tu l'as eu. Les corps de garde. Bien joué, Edward Kenway. Voilà la dernière ligne de défense. Alors, les canons. Saboter. Oh là là. Oh, c'est Call of Duty le truc là. Oh putain. Ça tire des boulets de canon, mon gars. Alors attends. Va falloir être discret là. Je veux pas me prendre des boulets de canon à la gueule. Oh, et voilà les mecs. Oh, c'est un camp de soldats templiers. Là. De français templiers. Tout ce que vous voulez. Ah, il y en a un là en plus. D'accord, ok. Ah ouais, c'est à dire que je suis obligé de tuer tout ça. Ok. Ah, finalement, j'aime bien cette mission. Alors ce qu'on va faire. On va. Tirer dessus. Ah, me casse. Je recharge. Je suis mouru. Sérieux? Ouais. Comment t'as fait, wesh? Ah, oh bah, putain! Il est où ce con de Raz Moquette là? Ah ouais, en plus, je crois que ça recommence. C'est cassé les couilles. Non, 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 j'arrive. J'arrive, espèce de couillon là. Ah! Ah, mais t'es au milieu de gens, toi! T'as vu tous les cadavres qu'il y a? Ça réanime direct ou pas? Vas-y, mine-toi! Ah non, ça réanime pas. Ah, allez, allez! Oui! Bonjour, monsieur! Comment ça, il m'a pas vu? Oh, bah, trop bien! C'est le chat. Qui m'a vu? Je veux savoir qui m'a vu. Il y a des gens, des fois, on se demande comment ils font pour nous voir. Genre, il y en a aucun qui a. Non, en fait, on est dans la. On est hors de Paris, la limite. On est dans la campagne. Et qui nous voit là? Ah, c'est ce connard là-haut là. Attends, toi, tu vas voir. Ah, je peux pas l'assassiner. D'accord. Allez, hop. Ça, c'est fait. Ça. C'est fait, et voilà, et maintenant Raz Moquette, j'en ai marre de rattraper tes conneries, donc attention. Ok? Ouais, ouais. Merci, au revoir. Attends, j'étais bien parti là dans mon délire là-bas, là, en mode discret en plus. Voilà. On reprend. Oh bah merde! Oh bah merde! D'où ils m'ont vu? Oh, mais ça, c'est pas possible ça!
Bonjour monsieur. Point de synchronisation découvert dans cette mission. Ah bon. Bon bah ça va être un carnage hein. Parce que là on voit plus rien. Censuré. Un véritable carnage. Un véritable carnage. Wesh, même les habitants se battent avec moi ouais. Allez les gars, voilà, c'est ça qu'on veut. La France aux Français, pas aux Templiers. Allez vous faire enculer. Ah merde. Attends frérot, je suis en train de casser ton canon, occupez-vous de lui. Voilà, merci les gars. Ah, voilà, c'est bon, je reprends la relève. Et voilà, au calme. C'était pathétique quand même. Heureusement qu'il n'y a pas de bonus de discrétion. Sinon on l'aurait perdu depuis fort longtemps. Alors comment on va s'y prendre ici mon petit Razmoquette? Tu as tué tout le monde là? Non. Ah putain mais ils sont tous là. Mais, ah oui bah t'es con. Bah t'es con toi, il y a un grand groupe, t'as couru sur eux. Le mec il a dit j'ai tué tout le monde, on voit un gros tas de templiers français là. Et voilà, cloche d'alerte, bravo. Bah oui, il y a tout le monde. Bravo du con. Je suis mort, super. Attendez, je sabote. Merci les gars. Ça, on finit la mission. Et basta. Vas-y, reviens. Oh, oh, c'est bon. C'est sans toi, Razmoquette. Voilà, bas les couilles. Allô. Oh, j'ai reçu capuche de maître assassin. Ah ouais, enfin, mais voilà, il manque des trucs à ramater, moi. Oh, trop bien. Bah voilà, mémoire terminée. C'est ainsi que se termine notre vidéo, les amis, sans Razmoquette, qui est mort comme une merde. Oui, bah là, tu peux. Alors, il est là, je vais aller le réanimer. Non, parce qu'ils étaient au moins 10 sur ma gueule. Ouais, mais là, ils font plus rien. Alors, regardez. On dirait là, il a envie de chier. Maman, il a envie de faire oh là, caca, putain. Ça me tortille les boyaux. Ah, bah merde. Bah ah ouais, merde. Ah, excuse-moi. T'es mort dans la merde. Putain de merde. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo, comme je disais. Encore une fois, si vous voulez d'autres épisodes, n'hésitez pas à me le demander. Bien que non plus, enfin, bien qu'il n'y a pas non plus 40 000 missions en coop, hein, il doit en rester 5-6, même pas. Et dont la moitié est sans grand intérêt. Hein. Là, les missions de niveau 5, c'est les plus intéressantes. En termes d'histoire, en termes de longueur, les missions niveau 1, 2 et voire 3, c'est juste tu tues un mec et voilà, c'est fini quoi. En gros, hein, pour vous résumer grossièrement. Donc, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Razmoquette, bah tu seras pas dans la vidéo de fin. Hein. Enfin, tu seras pas dans l'outro. C'était trop loin de moi. Désolé. Ouais. Allez, tchuss. Tchuss.